Oh, bonjour et bienvenue sur Benzaï Live. Est-ce que vous aimez les jeux originaux? C'est ce que je vous propose de tester aujourd'hui avec Immortal Planet, un jeu qui ne ressemble pas à Dark Souls mêlé à Bastion. Je vais tout de suite prendre comme arme la Assault Blade parce que ça a l'air bien. Et j'ai le choix d'une relique de départ. Alors, je peux avoir la skill pied léger. Qui me redonne de la stamina après avoir parfaitement dodgé, évité une attaque. C'est un jeu où il y a des boutons bloqués, attaqués et une roulade. Je peux... Alors, Iron Spine, ça me donne réduction des dégâts. And with perfect aiming, you deflect incoming blow without effort. Et je peux même deflect les attaques sans effort. Waouh! Et du coup, si tu tues des ennemis, là, avec le Bloodshot Eye, les yeux injectés de sang... ça peut te redonner de la vie après avoir que tu viens de perdre. On va faire en sorte Iron Spine, je pense que c'est mieux pour les débutants. Immortal Planet, un jeu où les planètes ne meurent jamais. Ou pas. Me voici dans un temple où je peux me reposer, visiblement. Ainsi que level up. Bon, visiblement, c'est pas possible tout de suite. Je peux changer d'item, voilà, parce que les gâchettes sont allouées aux items. Et je peux changer d'arme. J'ai ma Assault Blade. Ok. Je sors de mon sarcophage. Je marche très lentement. Donc en fait, vous avez vu, c'est un peu comme dans Bloodborne. Tu peux la déplier pour avoir pour voir plus loin. Quand je tape, ça bouffe de la stamina au-dessus de ma tête. Alors vous voyez pas bien. Attendez, faut que je recadre le jeu. Après, faut que le jeu me laisse faire. Voilà. Ambiance un petit peu Shadowrun, mais voilà. Ça me bouffe de la stamina de taper. Si je reste appuyé sur X, j'ai des coups plus short. Avec X, je peux attaquer les gens. Graphiquement, c'est cohérent. Hop. Hop. Aïe. Et voilà, j'ai déjà plus de stamina. Mais on peut bloquer avec Y. Je crois qu'on peut les loquer même. Ouais, tu vois, genre... Ah oui, non, avec R, je peux... Ah, d'accord, avec R, en fait, je peux bouger comme ça. Je peux straffer en mode Isaac. Mais bon, le problème, c'est... On pourrait regarder en bas dans le jeu ou vers le haut. C'est bizarre que le gars straffe toute sa vie. Je vais faire un perfect dodge. Non. J'ai fait un perfect nul, enfin échec critique quoi. Je vais activer ce bidule. Graphiquement c'est pas dégueulasse du tout, hein, c'est même assez intriguant. Et je peux rester appuyé sur A pour courir. Y pour bloquer. Attention je bloque. Ah, c'est l'air compliqué. Bon, il faut penser à bloquer de temps en temps. C'est quand même plus safe que de vider ces trucs. En fait, le truc, c'est que les attaques se déclenchent tellement vite. J'ai un pistolet. Ça fait pas de la... C'est de la merde. Et là, c'est qu'on voit l'endurance des ennemis, donc ça, c'est bien.
Ah, je t'ai eu dans le coin. Alors par contre, en fait, ça me fait, je trouve ça étrange que ce soit aussi lent, tout en étant, en fait, faut faire autant attention à la stamina que dans un Bloodborne ou quoi. Mais en même temps, le jeu me donne envie de courir partout, quoi. En fait, quand tu fais tes blows, il faut de... Ah ouais, là, je les stun en le poussant, en le tapant. Enfin, en lui dashant dans la gueule. Ils vont peut-être me l'expliquer plus tard. Immortal blood can heal the body. Et voilà, j'ai healé mon body. Ah non, c'est ok. Hein. J'ai encore 3 cartouches de flingue, mais bon. Oh, mais lui, il a un fusil. Ok. Ah! Et il peut taper avec. Et surtout, il y a un autre sniper qui me tire dessus. Non, mais il a pas dit que j'avais ramassé un truc? C'est quoi ça? Iron Spine, ok. Il a pas dit que j'avais ramassé son flingue? Il avait marqué use it with machin. Dash over gaps. Ok, d'accord. Immortal blood. Ok, une petite potion. Ok, on avance. C'est un jeu où il faut être rigoureux. Rigoureux est mon deuxième prénom. Laissez appuyer sur X pour réveiller votre arme. Je pense que l'un des trucs les plus safe, c'est quand même de les bouler et ensuite de... Tu vois, et là, peu. Merde, ah par contre, ah! Ah non, si c'est moi, c'est moi qui me stun tout seul en fait. Putain, oh, faut faire attention quand on joue. Merde. J'ai cru que là j'avais le timing pour le stun. Merde, non, j'ai cru que j'avais le timing pour le stun. Oh putain. Ah, c'est bon. Oh putain, c'est dur. Le jeu a l'air de déconner zéro. Il est quand même plutôt pas mal, hein. Il donne bien envie de... d'avoir la rigueur suffisante pour s'y mettre. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va... Ah mais attendez, j'ai un Thunderbolt. C'est que ça. Basique. Mais indispensable sort, le Psyker. Paralyse les ennemis. On va tester ça tout de suite. Ok. Et on respawn ici. Oh non, c'est un, ça va être long. Ça va être très long. Sauf si on peut vraiment jouer à Dark Souls. Ah, oh, on peut les pousser dans l'eau. Ça, c'est bien. Ah, du soin. Ah ah. Et là, ça s'ouvre. Et là, il y a mon âme. Aïe. Oh, mais c'est parfait. Putain, si on peut les jeter comme dans For Honor, mais alors c'est très bien. Le jeu est très bien.
Et le mec il se laisse toucher, il veut rien faire, il veut rien savoir. D'accord. Eh bien écoutez les amis, j'y croyais pas trop. Ah, pourquoi je pars pas? Ah oui d'accord, gros sort hein. Putain. Je crois que j'aurais préféré une grosseur. Ah. Oh non. Non, y a pas de musique dans le jeu, tais-toi. Ah non, faut au moins tuer. Hein. Ah non, merde. Oh mais non, mais des fois. Ce bourrin. Je suis vraiment n'importe quoi. Pip, 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 pip. Bon, cette fois, j'en tue un mec et je me barre. Genre toi. Non, putain, c'est avant qu'il reprenne sa... Non, mais pourquoi là, il était pas vulnérable? Mais il avait pas repris sa stamina là! Putain, mais il y a 2 secondes j'étais un dieu de la poussette! Merci Mathieu Power! Mais là t'as 0 stamina, ferme ta gueule! Non! Ah, s'il y a un mec qui m'a vu, tant qu'il y a un mec qui m'a vu, tu peux pas fuir le versus! Si, bah si pourtant! Bon, on avance. Ah, les ennemis qui n'ont pas de stamina. Tu peux les dasher. Et après... Mais putain, pourquoi pas 2 fois? Il avait pas sa stamina, là. Dégage. Oh putain, c'est un gros, gros, gros mind game. Voilà. Genji, il a l'air trop fort, hein. Merci Lord Icarus. Mais non! Ah! Voilà, quand ils vident leur stamina, là tu peux tout balancer. C'est un rang. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Merci Technopay. Garde ta stamina pour la fin. Visiblement, c'était pas du tout là qu'il fallait aller. Ah bah après, je peux le pousser, lui. Non. Bon, pour l'instant, je ne connais pas encore ce langage. Peut-être quand mon personnage aura une bouche, il pourra comprendre et parler. Je m'en fous! Merde! Ah mais ils peuvent se taper entre eux par contre, ça c'est bien. Et là ça commence à devenir un peu sérieux. Du premier coup. Oh
Mais si je commence à mettre We Are the Champignon, on va jamais jouer au jeu en fait. On va jamais être concentré. Level up at your cry-pod. Level up dans ton cryopod. Ici. Ah oui, c'est pour revenir. Génial. Du-du-du-du. Plus d'endurance, plus de willpower, plus d'intelligence. L'intelligence donne plus de dégâts pour les sorts. La volonté donne plus de vie. L'endurance donne plus de vie et de stamina. Et d'armure. Mais zéro d'armure. L'agilité donne plus de stamina et de dégâts des attaques. Et la force, attaque et santé. Voilà, merci, au revoir. C'est un harangue. Merci Tatamez. Et voilà. Et maintenant je peux repasser par là. Il est gagné. Ça c'est quoi? Surtout mais vite pas. Putain les mecs ils ont tellement. Ouais cool, du Little Mortal Blood. Quand même, vous me connaissez, hein, il faut quand même que je m'arroufle là. Écoutez, ce petit jeu paye vraiment pas de mine. Il est pas dégueulasse du tout. Il y a moyen de gogoliser dessus toute une soirée. Hein. Pas si long. Bloup. Parti. Bon, l'avantage c'est comme on est dans Dark Souls. Oh, je l'ai dit, voilà. Eh bien, on peut mourir comme on veut. Récupérer ça, voilà. Surtout, putain, mais t'as vu, ils ont compris dans cette génération où tout le monde a grandi avec une maman qui te dit d'arrêter l'ordinateur, les ennemis, même s'ils sont tes ennemis mortels, te respectent quand tu es en train de lire tes mails. Par contre, je suis vraiment une bousasse. Mais tu fais pas assez mal. Aïe, putain, ah, des fois il décale le truc, c'est chiant. Ah, un petit dopage. Oh non, mais t'aurais dû tomber. Attends. Voilà. On peut tout faire, on peut tout maroufler. Excuse-moi, je me sers de ton PC. Et voilà, et maintenant on peut passer plus vite par là, sans les gros bœufs. Sans les gros bœufs. Bon, j'ai juste un petit problème avec le fait que les mecs peuvent regarder que de deux côtés à la fois, quoi. Enfin, dans leur vie, ils ont quatre profils, quoi. Ah non, putain, j'ai cru qu'il était déjà plus staminé. Hey, hey. Merde, pff, le mec il y va low life. J'invoque la foudre deux fois, trois fois, quatre fois. Ensuite je te tire dessus. Ensuite j'invoque la foudre, ensuite je te retire dessus et je te retire dessus. Oh non, il a combien de barres de vie? Oh merde. Le jeu.
Et là, il y avait de la musique enfin. Le stun sur les failles de groupe, c'est à oublier, Benzou. Jamais. Pip, 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 pip. Ah non, si, là, il peut me taper, putain. Voilà, maintenant on a deux trucs de soins. Wow! Pardon. Ah mais lui, t'es obligé de le taper. Ah mais regarde, j'arrive low life. Contre le boss, ça va jamais le faire. Salut! Ah non, j'ai... Ah putain, j'ai utilisé mon deuxième soin. Quel con. Moi je me disais c'est bon, il va mourir là. Par contre c'est juste Dark Souls en 3D isométrique quoi. Bon là il faut dasher hein, y a pas de... Puis en fait j'aurais pas dû ramener ses potes. J'ai besoin de taper plus loin. Et des fois t'as l'impression qu'il te regarde pas en fait quoi, c'est ça qui est relou. Ah. Ah oui, excusez-moi, le game c'est... Timel sur le parquet. Non mais ça va bien se passer. On a largement le niveau pour tuer ce boss, voyons. Pas du tout. Ok. Là c'est pareil. On va voir comment on peut maroufler tout le monde. Question pour Benzo, c'est bien Végéta en capsule? Ouais, sur mon étagère, ouais. Arrêtez de tout comparer à Dofus dès que c'est de la 2D iso- de la 3D isométrique, ouais. Ben non, la 3D isométrique, ouais, Dofus n'a pas inventé la 3D isométrique, les amis, hein. Et non, oh, je voulais juste dasher à côté de lui. On va réussir. Déjà, il suffit de tuer ces deux gars. Ils sont pas des mauvais bougres. Et après, tu peux les taper, remarque. Même si ils ont encore de la, trop de stamina pour que... Ah oui, d'accord, mais quand ils tapent, ça tape, en fait. Genre, tu peux pas parer le coup de feu. Ah. Et du coup, qu'est-ce qui m'empêche de prendre ça? Aïe. Ouais, ça va. Aïe. Bon, bah cette fois maintenant, le boss est vraiment tout seul. J'agrandis mon truc pour avoir plus de range. Et là, c'est bon, premier first try. C'est quoi cette barre de vie? T'as vu ce qu'il m'a mis? T'as vu ce qu'il m'a mis en deux de coups? T'as vu ce qu'il m'a mis en deux coups? Oh non mais comment il ratiboise trop? Il ratisse trop large!
peux rien faire. Ok, d'accord. Mais là, le feu me bloque, me blesse forcément. Ah ouais, l'enculé, quoi. Mais là, il va me ressauter dessus. Je pense qu'il faut farmer en fait. On va refaire un tour de circuit. Level up un peu. Et voir ce qu'on peut faire à obtenir de ce jeune garçon. T'es pas obligé de rester là. Ah, on n'est pas bloqué dans l'arène avec lui. C'est ça que t'essaies de dire. Ah, tu vois, ça commence à rentrer, hein. Aïe! Sauf ça, que t'es obligé d'éviter avec un dash. Putain! Le jeu n'est pas simple. En plus, faire un tour de circuit, ça permet de farmer une troisième potion. Non, j'ai pas vu d'obstacle qui m'empêchait de sortir de la zone, mais je suis con. Et ça, t'y avais pas pensé. Genji, quoi. Tu vas où comme ça? Des fois, ils sont un peu cons. Hein. Oui, le gros monsieur. Oh là là, les jumps quoi. Non, je pense que j'aurai jamais la patience de réapprendre à jouer à ce jeu là quoi. Par rapport à d'autres jeux du même genre. C'est plus pour moi les amis. Quoi? Yeah. Ça sert à rien de récupérer des trucs. Mais bon, avec ce petit tour de circuit, j'ai bon espoir qu'il se passe des bonnes choses. Ok. Allez, là j'ai 750. Améliore ton armure, Benzou. Doudoudoudou. Mais ouais, mais regarde ça, il y en a aucun qui améliore l'armure en fait. Genre ça fait passer l'armure, regardez, de 10 à 10. Et là tu commences à être bien quoi. Alors que la force, ça fait augmenter tout. Ouais, genre clac, boum, boum. Ah oui, mais attends. Ah, je passe à 11 d'armure en donnant 2 d'endurance, quoi. Bon, allez, je mets 2 d'endurance. Et 1 de force. Et du jugé. L'esquive a une petite frame d'invisibilité, hein. Oui, ils sont un poil suicidaires, bon. C'était un rang, voilà, merci Polaris. Non mais on va essayer de battre ce boss quand même, là c'est quand même quoi, c'est embêtant. C'est humiliant. Surtout que c'est des mecs que t'as même pas besoin de battre. Aïe!
Oh, fils de chien. Ok, heureusement que de toute façon j'avais rien farmé. Je reviens. Battant ce boss first try. Je sais pas où il va comme ça. Ah non mais ça c'est des jeux pour les gens qui faisaient leur devoir en fait. Qui étaient rigoureux. Qui allaient pas en cours au schnapps. Mais non mais là il était en train de tirer, il devrait être... Ça devrait pas compter comme être invincible. Putain ce boulot de cochon. C'est hyper tendu. Hein. Oh, oh. Je vais quand même prendre la truc. Donc tu dis que là, le boss, en fait... Ah, il m'a séché quoi. Ah oui, on peut se barrer. Très bien. Merci Alexis Bacard HD. Là, je me barre. Bon, bah du coup, va falloir maroufler. Ah ! Ah ! Il fait mal ce con. Oh, je peux même pas courir. En fait, faut pas essayer de le taper quand il a fini son attaque parce que ça, il la déclenche toute direct. Quoi. Oh là là, putain. Il y a moyen de. Ah ah. Et forcément, là, ça fait moins peur. Comme l'océan. Ah, il s'aventure pas trop sur ces trucs-là. Hein. Bon, allez, c'est bon, il y a moyen de le doser, le gars. En plus, il arrive dans un angle mort, donc il peut sauter, on s'en fout. Aïe. Oh non. Oh, il m'a défoncé la gueule. Oh putain. Ah oh, non, ça m'a... Ah putain, mais le truc, c'est instantané que ça te fait mal, quoi. J'essaie de demander si c'est une rediff quand il y a marqué que je stream partout. Oh non. Il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Alors que les autres sont des idiots. Je n'avais pas de potion. Après je peux aller chercher la troisième potion pour avoir une troisième potion. C'est juste un peu chiant d'aller la chercher. Oh mais ouais mais merde, t'es obligé de tuer des mecs. Non. Attention tu trébuches. Non mais j'avoue là je suis en PLS hein. Ah mais putain mais c'est quoi cette range? Des fois il regarde derrière toi pour te taper quoi. Il y a vraiment un truc qui me chagrine hein, ouais avec ce. Oh petite esquive parfaite. C'est un rang. Merci FTV Evil.
Ah, c'est que le flingue me bouffe de la stamina, quoi. Oh, appuyer sur un bouton, ça m'épuise. Si j'y vais tranquillou. Non, mais putain, merde. Techniquement, j'ai plus d'armure que la dernière fois. Et j'ai appris à ne pas essayer de le chauffer. Non, mais par contre... J'ai l'impression que je suis dans l'angle, j'ai pas la même range, quoi. Ah. Non. Putain, je me soignais au ce moment là. Oh là là, putain, on allait chercher une potion en plus pour rien. Ça me chagrine tellement, quoi. Et j'avais plus de... Putain, mais regardez ça, je me fais exploser la gueule, j'ai plus que deux potions. Ah, par contre, quand il t'arrive dessus, mais tu laisses tomber. Ah oui, donc là c'est un peu foutu hein. Oh mais merde. Putain. J'essayais de me soigner comme un con pendant qu'il sautait, ça marche pas. On a tout perdu notre temps. Dégage. Quoi? Ça a donné un mec avec? C'est quoi ce délire? Attends, mais là je commence, ça devient n'importe quoi. Là, c'est les phases dans Dark Souls où t'es tellement pressé de retourner à Trail que tu fais de la merde. Notamment parce que je ne joue pas ma vie sur ce jeu. Le stun, ça marche très très bien quand même. Ah, c'est qu'il a vraiment une dernière phase où il est chiant. Pour moi, il était tout le temps chiant, gars. Ah, remarque, si le mec il tire dans son pote, ça peut être bien aussi. J'ai l'impression que je fais moins mal quand mon épée est pas dépliée, mais du coup. Ouais, tu as plus de stamina à voir. Mais bon, comme les mecs, je vais lui mettre un coup de temps en temps. Oh, mais non, mais il fait trop mal, quoi. En plus, il y a un sweet spot pourtant, quoi. Bon, le but, je pense que c'est de le doser, de pas trop loin. Quand il se tape le torse. Quand il se tape le torse, tu peux taper. Des fois, t'as un bon timing, quoi. Clac. Ok. Il lui reste une barre de vie et demie. Je casse. Et ça. Ok. Ah oh non, mais putain, mais t'as vu, il ratisse tellement large. Ah, oh, c'est horrible, quoi.
Et merde. Moi, je la joue extra safe. Tape-toi sur le ventre, putain. Merde. Non, putain. Oh, la tension est à son comble. Alors, je sais que... quand vous allez jouer chez vous, vous allez battre le premier, le boss en first try. Et qui vous aura fait taffer les, la séquence, hein? Des fois, il a pas de stamina. Oui! Putain, il suffisait d'être un peu rigoureux! T'es capable, Benzi. Oui, tu as tué la sentinelle du temple. Et on peut pas ouvrir ça? On a petite épée normale. Voilà, et là je peux désactiver le truc. Salut, Awake Walker! Jean-Luc, de son prénom. Il y a beaucoup de choses à faire. Le cycle du sommeil a été dérangé et désormais privé de repos, les immortels, vous baladez sans trop de raison. Les cycles menstruels doivent être restaurés. C'est pour cette raison que j'étais réveillé, le dernier immortel, encore qui est encore un petit peu du dodo dans les yeux, tu vois. En détruisant les sentinelles, tu as vu que tu étais... tu as prouvé que tu étais au moins un poil capable. Dans cette grande forteresse du Nord, notre tyran regarde les cycles menstruels et veille sur eux. C'est là que tu dois commencer. Et vas-y, Awake Walker. Oh putain, c'est pas... ton chemin est le nôtre. Merci, Kuntail. Pour m'excuser du Théo. Ça, un truc qui booste la stamina, ok. Activate. C'est bizarre, soit ça m'en... soit ça, la truc m'emmène, soit c'est un ascenseur, mais je pense que je devrais pas gaspiller mes les trucs. On va aller dépenser nos trucs, hein. J'ai beaucoup trop peur de ce qui va se passer par la suite. Le jeu arrive à être prenant, hein. Il a un design vraiment particulier. Il est pas totalement au pif. On peut vite retourner, hein. Point de départ. Les décors font un peu penser à Blame. Ouais, le côté un peu, le scénar un peu aussi, ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Faudrait que je le vois d'ailleurs, le film Blame. Pas un grand fan de la BD, même si elle a vraiment de grande qualité. Non mais meurs pas contre le premier troufion du jeu, c'est bon. Plus d'armure. Voilà, là on est très bien. Et repose-toi. Mais non, mais je suis pas si fatigué que ça, c'est plus mes cheveux qui sont ébouriffés. Je veux savoir un peu comment ça se passe. Les ennemis respawn pour le plus grand bonheur de tous.
Et là, le boss respawn, tu fais... Ah, le film est génial et pourtant t'es un fan du manga Neo Tendar. Bah du coup, ok. Oh, ça s'est bloqué ici, d'accord. Ah, j'ai l'air cerné du fion, d'accord. Je sais pas. Non, j'ai à peu près bien dormi. Bon, découvrons un peu plus scénario de ce jeu auquel nous ne rejouerons pas forcément. Oh les gars, ne pars pas, il fait si froid et la ville est si paisible. Tu veux pas rester, discuter un peu? Je suis archiviste, des archives du sud bien sûr. Je me suis levé ici avec un sacré mal au crâne. Je suis casquette de ouf mec. Tu es la première personne que j'ai vue depuis des lustres. Tu sais où sont tous partis? C'est horrible ce silence. Merci Toupiti. Ça va aller, Rocher? Tu connais Proxy Page? Non. Il faut savoir ce qui s'est passé dans les cryopodes. Ah. Oh ben alors? Non mais attends, mais jamais de la vie. Il me jette de l'acide à la gueule. Non mais le mec est plus fort que le boss quoi. Ah, il m'a donné froid ce con. Il y avait rien là. Hop. Le mec a tout pris hein. Mais putain, mais c'est dur! Regarde, t'as vu la taille de l'arène, quoi? Oh! Banzai Live! C'était Immortal Planet. Un jeu très bizarre. Cela fait 5 heures qu'on stream. La prochaine fois sur Benz. Et à...